Je goûte. Et quand on voit Carole en action, on comprend mieux pourquoi les équipes tournent bien. Il y a du punch, il y a du dynamisme. Bon, bienvenue à tout le monde. Et surtout, merci de l'accueil que nous réserve aujourd'hui le club de Blanquefort, sur Clubhouse, pour une victoire supplémentaire de nos filles. Je dis nous, puisque maintenant elles sont girondines, mais on n'oublie pas quand même le lien fort qui existe avec Blanquefort. Bravo les filles, quoi qu'il en soit, vous aurez fait une super saison. Voilà. On espère surtout que vous allez la clôturer de la façon la plus belle. On y croit dur comme fer, j'espère que vous aussi vous y croyez, que vous allez vous mettre les tripes par terre comme vous l'avez fait sur tous les matchs. Et donc, on est plein d'espoir et d'ambition, ça serait une superbe aventure et un superbe résultat auquel vous tous avez participé, soit en les assistant dans leur quotidien, soit en les assistant au niveau sportif, soit en venant les soutenir les jours de match. Bon, ça serait pas juste de résumer d'ailleurs le succès de la section féminine, seule joueuse de la D2, puisque l'équipe réserve les premières de son championnat. Les U17, troisième, et puis les U19, seconde. Ah, c'est un joli tir groupé. Ça sera difficile de faire toujours aussi bien dans l'avenir. Ulrich qui est là, il peut vous en parler, il y a les hauts, il y a les bas. Bon, là, vous êtes au sommet. Plus qu'une étape à franchir, on sera derrière vous. On espère que vous y arriverez, on le croit. Voilà, et puis surtout, félicitations à ces deux dames qui s'investissent à fond, elles aussi. Sans elles, rien ne se serait fait. Alors merci à... Bon, finalement, c'est un mariage heureux. Merci à tous de nous avoir bien accueillis. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la mairie. Il y en a aujourd'hui? Non. Madame le maire a aussi joué le jeu. Voilà, donc c'est un jour de fête. Ou en tout cas de fête anticipée. Parce qu'on est sûr de vous, les filles, et de votre capacité à nous faire ce plus grand plaisir que de jouer l'année prochaine Marseille, Paris, Lyon. Oui, Marseille, il semblerait qu'ils vont. C'est sûr. Donc ça veut dire qu'il y aura du pain sur la planche. Voilà, merci à tous et bonne soirée.